Côté Jardin. Une émission proposée et animée par Jacques Benhamou. Notre ingénieur du son, Louise Denis, la très souriante Louise Denis. Voilà. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur RCJ 94.8 et puis par internet à l'adresse radio-rcj.info en cliquant sur le direct tout de suite, bien sûr. Et vous pouvez bien évidemment écouter cette émission en podcast et un peu plus tard, quand vous aurez le temps, en prenant la même adresse radio-rcj.info-Côté Jardin. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Philippe Gamplovitch, professeur des universités et musicologue, à l'occasion de la réédition du livre de Pierre Goldman, L'ordinaire. Mes aventures d'Archibald Rapoport, publié aux éditions Séguier, dont il signe la préface. Je vous montre ce livre, absolument remarquable, bouleversant, émouvant, vous verrez en le lisant. Voilà. Philippe Gamplovitch, bonjour. Bonjour. Philippe Gamplovitch, vous êtes professeur des universités en musicologie, doyen de l'UFR Langue, Art et Musique depuis 2015 et co-directeur de la School Humanité de l'Université Évry Paris-Saclay depuis 2016. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages comme Les Travaux d'Orphée, 150 ans de vie musicale amateur en France, publié chez Aubier, Le Roman du Jazz en 2 tomes. 3 tomes. 3 tomes, le troisième est publié, ça y est, oui. Magnifique, chez Fayard. Le docteur jazz pédagogie du jazz, La catastrophe apprivoisée, regard sur le jazz en France, publié chez Outre Mesure. Ses résonances, les résonances de l'ombre, musique et identité de Wagner au jazz, publié chez Fayard. Faiseur d'histoire pour une histoire indisciplinée, publié aux presses universitaires de France, sans compter les très nombreux articles autour de la musique, publiés dans une célèbre revue. Je ne parle pas de votre participation à de nombreux colloques en France et à travers le monde, la plupart tournant autour de la musique. Mais aujourd'hui, à l'occasion de la réédition du livre de Pierre Goldman, L'ordinaire, mes aventures d'Archibald Rapoport, publié aux éditions Séguier, vous y joignez une préface si remarquable que l'on pourrait à elle seule la prendre pour une nouvelle, en la lisant véritablement. Gentil, hein. Ah non, mais c'est évident. Hein. Pierre. Alors Philippe Gamplovitch, on a les mêmes initiales. Vous avez les mêmes, c'est ça qui est curieux, c'est un peu troublant finalement, oui. Je trouve. Oui. Mais il n'y a quand même pas d'identité de personne, heureusement. Philippe Gamplovitch, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cette préface que nous pourrions prendre vraiment, comme je disais, pour une nouvelle, sinon une plaidoirie? Alors qu'est-ce qui m'a poussé à écrire cette préface? Tout simplement, la chose suivante, c'est qu'on me l'a demandé. Qui me l'a demandé? La veuve de Pierre Goldman, qui s'appelle Christiane, oui. qui s'est refusée à la publication, à la republication de ce livre, et qui a accepté la publication à la seule condition que j'en écrive la préface, c'est-à-dire que je présente son ex-mari, que tout d'abord j'avais connu, et ensuite elle avait jugé, à tort ou à raison, enfin j'en sais rien, que j'étais la personne qui pouvait parler à la fois du livre, de ce qui était du contenu du livre dont on reparlera, et de cette figure dont il faut parler maintenant, effectivement, qui a représenté, qui a incarné toute une période de l'histoire récente de France, enfin, en tout cas dans les années 70. Alors, il faut, en quelle année il avait été publié pour la première fois? À quel Il moment a été publié en 1977, je crois bien. 77, et oui. Puis depuis, il a été épuisé, puis il n'a plus été réédité, bien sûr. Voilà, édité jusqu'à un moment où un éditeur courageux, comme on dit, enfin, qui s'appelle Jean Le Gall, le patron de Séguier, a trouvé le livre et s'est mis en tête de le publier parce qu'il est tombé tout simplement amoureux du texte. Oui. Ah, c'est ça que je vais répéter souvent, oui, dans votre émission, mon cher Jacques. Oui. Le texte, ce roman, est absolument exceptionnel, unique, singulier. L'écriture, on va en reparler, ça c'est tout à fait évident. Pour revenir à Pierre Goldman, est-ce que vous l'avez connu personnellement? Oui, je l'ai connu. Oui, oui, je l'ai connu. Alors, je vais vous dire à quelle occasion je l'ai connu, ce qui évidemment ne me rajeunit pas. Oh. Enfin bon, j'ai l'air jeune tout de même. Mais vous êtes jeune, enfin quand même. Donc, tout d'abord, je l'ai connu au moment du premier procès d'assises. Je crois que ça devait être en 1974. C'était hier. Des amis, c'était hier. Oui. Des amis m'avaient emmené
à ce procès, c'était un ami à eux, des gens qui appartenaient à la même mouvance gauchiste, il faut en parler, de l'époque, il fallait faire masse à l'intérieur du procès. Ça, c'est une première chose. Ensuite, à sa sortie de prison, il a écrit ce livre qui a été un énorme succès. Il avait commencé à l'écrire en prison, je pense. Oui, oui. Non, mais je pense le premier livre qui s'appelle Souvenirs obscurs. Oui, tout à fait. D'un juif polonais né en France, qui a fait 80 000 exemplaires, qui a été le livre de chevet de plein de gens, un livre qu'on plébiscité Pierre Mendès France, Yves Montand, Simone Signoret, François Mitterrand, enfin, toute la planète intellectuelle de la fin des années 70 a été de gauche, oui, mais pas simplement. Hein. André Malraux, également, qui n'était pas de gauche à ce moment-là, qui a été ministre de la Culture, ont été fascinés à la fois par ce livre, par ce que ce livre disait, et par la personnalité. Alors, justement, qui était Pierre Goldman ? Alors, Pierre Goldman, c'était un fils de résistant. Oui. Il était né pendant la guerre. Il est né à la fin de la guerre. Ses deux parents étaient responsables de la résistance juive communiste à Lyon pendant la guerre. Sa mère l'a caché dans son berceau. Elle cachait des tracts dans son berceau. Il a été je parle de berceau et j'associe sur le mot bercé par ces histoires de résistance. Sa mère est ensuite retournée en Pologne, les parents sont séparés, il a été élevé par sa belle famille et ensuite il a fait des études, il a eu une scolarité assez un peu chaotique, hein, assez quand même, chaotique, hein, oui, tout à fait, oui, très chaotique. Mais il a fini par une agrégation de philosophie. Oui, enfin, il a fini par un grand diplôme, oui. passé en prison, voilà. Et c'est quelqu'un pour alors voilà. Non, ce livre, je réponds à votre question, Souvenirs obscurs, en tout cas pour la génération de jeunes juifs à laquelle j'appartenais, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Pour la première fois, quelqu'un venu de... qui était un guérillero, hein, il avait fait la révolution au Venezuela, il avait été... On va en parler, ça, de cela, oui. Son livre, Les Souvenirs, là. Donc, oui. Donc, ses souvenirs obscurs disaient que tout ça, il l'avait fait parce que juif, que sa révolte venait de sa judaïté, et qu'il était une figure de juif tout à fait extraordinaire, hors norme, une figure d'irrégulier, quelqu'un qui à la fois avait tâté de la délinquance, c'est vrai, qui par ailleurs avait une force intellectuelle réellement, réellement considérable. Mais alors, c'était un homme à part. Mais alors comment a-t-il pu devenir le personnage sulfureux qu'il est devenu ? Alors, attendez, était-il nihiliste ? Non, c'est alors, je vous réponds simplement. Parce que je n'ai pas répondu à votre question tout à l'heure. Non. Je n'ai pas répondu à votre question tout à l'heure. Donc je voulais absolument, j'avais publié avec des amis un livre qui s'appelait « Histoire véridique de Moshe, ouvrier juif et communiste au temps de Staline ». Je tenais absolument à ce qu'il en écrive la préface. Cette préface, il ne l'a jamais écrite, mais je suis allé le voir, je lui ai fait la cour. Moi, j'étais un peu... Bon, j'étais jeune, hein, j'étais à peu près... Ouais, lui, c'était une star. Ans, c'est ça, oui. Non, j'avais 10 ans de plus. Mais enfin bon, lui, on avait 6... Mais les 6 années qu'il avait de plus que moi, c'était un univers, c'était quelque chose. Il avait vécu, il y avait 6 années passées en prison. Il y avait de l'épaisseur. Il y avait une épaisseur humaine, et puis surtout, tout Paris était à ses pieds. Donc il n'a pas écrit cette préface. En revanche, il a fait un très beau papier dans Libération de l'époque sur ce monsieur qui était un monsieur absolument extraordinaire, qui avait passé 10 ans de sa vie au goulag et qui était revenu sioniste de cette histoire. Et quand il a appris que j'étais musicien, là, une amitié s'est liée. Et donc, à partir de ce moment-là, je l'accompagnais dans des boîtes de nuit antillaises où il jouait, et il y a eu des fêtes à Étonner des Princes chez moi, dans lesquelles il venait et jouait au tumba, et c'était, bon, c'était voilà, des moments exceptionnels. Exceptionnel. On va reparler de la tumba dans un petit moment, mais dans votre remarquable ouvrage, je dis remarquable parce qu'elle est remarquable. Vous écrivez « Ivre d'histoire, il avait pris au pied de la lettre un mythe royalement servi par l'histoire, la Révolution ». Et pourquoi ? Qu'évoquait-elle pour lui, la Révolution ? Il parlait de la Révolution française, de l'époque de 1789. Non, il parlait de toutes les révolutions. C'était à la fois... C'était le fait que le monde... Ça aussi, c'est...
je veux dire, là, on parle d'un monde qui n'existe plus, hein, parce que on a parlé hors micro des Gilets jaunes. Ça n'avait strictement rien à voir avec tout ça, strictement. Pierre Goldman, comme Régis Debray, qui était son ami, était l'homme croyait aux idées et croyait que les idées étaient à même de transformer le monde. Donc aujourd'hui, ça semble complètement stupide, complètement, complètement impensable. Mais en tout cas, des générations entières s'étaient engagées. Pour lui, la révolution, c'était simplement, un synonyme de justice et bon voilà, pour pas aller plus loin. Oui. De justice, ça fait. C'est quand même difficilement compréhensible, ça, je veux le dire. Mais alors, ses parents, jusqu'à quel âge il a vécu avec eux? Il a vécu avec eux. Alors, bon, tout d'abord, sa mère est repartie en Pologne. Il a vécu dans la famille de son père. Son père s'est remarié. Il n'était pas très à l'aise, donc il a fait pas mal d'internats. Ensuite, il s'est réconcilié avec. Enfin, il est retourné en Pologne. Oui. Il a repris contact avec sa mère. Encore une fois, on a affaire à des gens remarquables d'un côté comme de l'autre. Hein. Des gens qui avaient une épaisseur humaine. C'était des résistants extraordinaires. Oui, oui. Des gens qui ont risqué leur vie. Des gens qui ont. Moi, je dis dans cette préface. Sa mère, ma fille, l'appelait Mamie Mitraillette. Ah parce oui. qu'elle avait... Elle la connaissait, bien sûr, je l'emmenais en vacances. Non, c'était sa troisième grand-mère. Elle avait attaqué, avec un groupe de partisans, un commissariat de police, la dernière année de la guerre, parce qu'il y avait des miliciens qui étaient... Enfin, c'était quelqu'un... C'était des gens qui n'avaient pas peur de risquer leur vie. Elle a réussi à s'en sortir. Oui, elle était... Mais c'était une chef, c'était vraiment une responsable. Et donc pour Pierre Goldman, c'était une sacrée hérédité. Oui, c'était une sacrée hérédité. C'était à la fois un modèle, c'était à la fois un mythe, c'est vrai. Il fantasmait beaucoup là-dessus. Il lui fallait s'identifier à cette génération de juifs combattants. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui l'a poussé vers l'Amérique latine? Était-ce ce bouillonnement révolutionnaire, justement, permanent qui régnait? Il était au Venezuela, à Cuba, aux Antilles, etc. Alors, pourquoi il a été jusque-là-bas? Il était en France, pour moi. Oui, il était en France. Alors, et alors il avait le même. Alors, il avait coutume de dire moi, je suis allé jusqu'au bout. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui au bout de quoi de... Mais au bout de quoi? Au bout de l'engagement révolutionnaire, au bout de l'engagement, au bout du raccord avec ses idées. Il y a une autre personne qui a fait le même chemin que lui, qui était premier à Normalsup, issu d'une famille extrêmement bourgeoise. C'était Régis Debray. Mais oui. Un Régis Debray a passé des années en prison en Bolivie. L'idée, c'était l'idée. Encore une fois, c'est vrai qu'aujourd'hui ça semble incompréhensible, c'était que tout était bloqué en France, que le prolétariat ne pourrait pas, ne ferait rien, et que les foyers de la révolution, c'était l'Amérique latine. Donc c'était Cuba, c'était Che Guevara, donc il est parti... Il voulait importer la révolution d'Amérique latine en France, c'est ça? Non, d'abord il voulait... Très ambitieux. D'abord il voulait la faire là-bas, il est parti, il avait des amis. Vous voyez, ce genre de parcours, incompréhensible encore une fois aujourd'hui. Je sais que j'ai du mal peut-être à être compris par vos auditeurs, mais... Non, mais vous dites ce que vous avez à dire. Non, je dis ce que j'ai à dire, effectivement. C'est des parcours pleins de générosité, d'idéalisme, qui ont eu pour conséquence des amitiés indéfectibles. Vous voyez, c'était... Et justement, comment il a rencontré Régis Debray? Il l'a rencontré à sa libération, après la Bolivie, ou avant? Ça, je ne saurais pas vous le dire, je crois que... Mais en tout cas, ils étaient très proches, et Régis Debray a écrit un livre magnifique qui s'appelait « Les rendez-vous manqués de Pierre Goldman », où il raconte, effectivement, ce parcours, ce désir d'histoire. C'est parce que l'idée, c'était que l'histoire, on pouvait la changer, l'histoire, on pouvait... Mais c'était pas un peu de la mégalomanie, finalement, tout ça?
Pourquoi vouloir importer une révolution dans un pays où ça tourne à peu près globalement correctement, quoi. Non, mais il y a eu mai 68 entre temps. Ça tournait pas non plus. Non, mais il voulait pas importer la révolution. Il voulait surtout avoir affaire à des vrais révolutionnaires. Pierre Goldman considérait que mai 68 c'était un truc de rigolo. Oui. On allait très vite. Ah bon, carrément. Oui, c'était un petit truc de rien du tout. Bon. Donc il lui fallait quelque chose de plus, une liqueur plus corsée, plus consistante, un alcool plus fort. Voilà. Alors Philippe Gumplowicz et puis sans activité lucrative, Pierre Goldman, ni ressources, il se lance dans le banditisme, mais rien de révolutionnaire dans ce cas. Il est accusé de meurtre de deux pharmaciennes, d'avoir blessé un policier. Il sera, malgré ses dénégations, condamné à la prison à perpétuité et passe pour un héros auprès de ses camarades, qui crée un comité, ça c'est intéressant, qui crée un comité justice Pierre Goldman. Il n'est pas d'accord avec cette idée et demande la dissolution de ce comité sous plusieurs prétextes, et notamment il écrit « Je ne veux pas de publicité », notamment hein. « Je veux que l'on songe à tous les prisonniers et non pas seulement à moi-même ». Était-ce vraiment un excès de générosité? Oui. Non, puis il voulait pas n'importe comment qu'on parle en son nom. Il avait récupéré sa parole. Mais je reprends ce que vous avez dit. Alors plusieurs choses. Hein. Tout d'abord, les actes de banditisme, les actes de hold-up à main armée, il les a revendiqués. C'était alimentaire. Et puis bon, il frayait avec le milieu guadeloupéen. Vous voyez, c'était encore une fois, c'est quelqu'un qui était hors norme. Ensuite, en ce qui concerne les deux pharmaciennes et l'agent de police Quinet, d'une part, il a été gracié dans un deuxième procès à Amiens, et pour moi c'est une fausse accusation. Il était innocent. Oui. C'est pas lui qui avait tiré sur la pharmacienne, ni sur le policier. Non, il était incapable d'une telle violence. Il était profondément incapable d'une telle violence. Je crois qu'il était allé au bout de lui-même avec les hold-up. Il a connu un moment d'intense. C'est quelqu'un qui était très intense, hein, qui était capable à la fois de moments de très grande exaltation, de moments de profonde mélancolie. Donc il avait quelque chose en lui qui réunissait des aspects très contradictoires. C'était un être déchiré, comme les génies, comme les fous. Mais c'était pas de la désespérance, tout ça. Il y avait une forme de... Ce nihilisme, c'était volonté de tuer, puisqu'il l'écrit dans son roman. En tout cas, il est accusé dans son roman L'ordinaire mésaventure d'Archibald Rapoport. Il raconte toutes ces histoires. Alors, pendant son séjour... Attendez, je reprends, parce que là, c'est important. Oui. Ce roman est un pur roman. Oui. Hein, C'est un roman qu'il a, dans lequel il écrit avec beaucoup de culot. Il brosse le portrait de quelqu'un qui pourrait lui ressembler, mais qui ne lui ressemble pas. Pas lui, bien sûr. Hein, bon, voilà, qui s'appelle Archibald Rapoport, et il écrit un livre à la Garcia Marquez, un livre incandescent, un livre qui a des formules absolument fulgurantes, et qu'aujourd'hui on lit comme un roman. Donc, à l'époque, il est vrai que certains y ont vu une confession cryptée, mais il s'accuse, mais je veux dire, il n'avait aucune raison de s'accuser, il était encore en prison. Mais ça marque, pour moi, ce roman, une caractéristique profonde qui était la sienne, à savoir une liberté d'esprit incroyable. Alors, justement, si vous voulez, pendant son séjour en prison, il va écrire donc le premier livre, Souvenir obscur d'un juif polonais né en France, qui sera vendu à, vous avez dit, 80 000 exemplaires. Et puis, il commence l'écriture donc de Archibald Rapoport, cette histoire-là, L'ordinaire des aventures d'Archibald Rapoport, qui est réédité aujourd'hui, que d'aucuns considéraient comme un brûlot. Ces pages sentent un peu le soufre. Alors pourquoi Pierre Goldman raconte-t-il dans ce roman avec force détail l'assassinat des policiers, des magistrats et de l'avocat?
Pourquoi comment se fait-il qu'il soit, pris dans cette écriture? C'est lui-même qui se met une nasse autour de lui pour raconter cela. Vous voyez? Alors, et en plus, il rajoute dans son roman qu'il a horreur de la mort. Oui. C'est quand même paradoxal. Oui, mais il était extrêmement paradoxal. Il écrit un livre, encore une fois, un livre plein de bruit et de fureur, comme pourrait en écrire l'écrivain qu'il mettait au-dessus de tous les autres, Garcia Marquez. C'est une espèce d'épopée, de fresque. Il est un peu, ça pourrait être du Jean Genet. Il se risque, il disait à sa femme, à Christiane, tout ça c'est de la littérature, rien que de la littérature. Donc selon moi, le fait d'aller jusqu'à là est la marque du fait qu'il n'avait rien à craindre, ni de sa conscience, ni de la justice des hommes. Il était libre par rapport à ça. Maintenant, là où je vous rejoins, Jacques, c'est que ce livre sente le soufre, que ces pages soient par moments très difficiles. Oui. Et je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, par rapport à ce qu'on lit dans les polars, avec des gens ou ce qu'on écoute à la radio, avec des journalistes découpés à la tronçonneuse, avec je ne sais quoi, vous voyez, c'est un livre carrément pour enfants. Vous ne dites pas ça. Il faut dire que ce livre fait peur et inquiète le lecteur. Alors, pourquoi il a choisi ce registre? Alors écoutez, à l'époque, il y a quand même 40 ans pratiquement, une quarantaine d'années qu'il a été écrit. Aujourd'hui, il peut rivaliser avec les romans les plus noirs qui soient. Moi, je ne crois pas, non. Parce que les romans noirs, il y a une jubilation dans l'acte de tuer qu'il n'a pas. Vous voyez, il raconte... il y a quelque chose comme d'ordre d'une farce, une farce macabre dans ce livre, mais c'est peut-être à cause de ce livre qu'il a été tué d'ailleurs. On va en parler. Pourtant, en l'écrivant, il le faisait lire page par page à Christiane, la femme de sa vie, la femme qu'il aimait et qu'il avait rencontrée en 69. C'est celle grâce à qui le livre est réédité, parce que c'est elle qui a souhaité le rééditer. Non, c'est pas exactement ça. Hein. C'est elle qui ne sait pas. Elle s'est opposée à la publication. Je vais vous dire. Christiane s'est opposée à la publication pendant près d'un an. Elle s'est opposée à la publication pendant près d'un an parce qu'elle avait peur que ressurgissent justement les mêmes. Les mêmes rumeurs, les mêmes fantasmes sur les pharmaciennes, etc., etc. Donc, elle a fini. Bon, je vous l'ai déjà dit, elle a fini par céder. À l'amicale pression de l'éditeur, c'est ça? Non, même pas. Son fils, vous savez que le fils de Pierre Goldman, qui s'appelle Manuel, est né un jour avant l'assassinat de son père. C'est incroyable. Vous voyez, c'est une coïncidence. Toute cette histoire. Il n'a pas connu son père. Il fait quoi, le fils? Le fils, il fait du rap, il est critique musicale, et il est ce que son père voulait qu'il soit, c'est-à-dire un noir juif. Ouais. Vous voyez, c'est quelque chose... Je veux dire, on a affaire ici à des... À un monde qui est... je ne sais pas quoi, qui pour moi est bouleversant parce qu'il est singulier, totalement original. Tout à fait. Alors, je vais rappeler à nos auditeurs qui sont à l'écoute de RCJ, 94.8 sur la bande FM, Côté Jardin, Jacques Benhamou en leur compagnie. Et puis, j'ai l'immense plaisir de recevoir Philippe Gomplovitch à l'occasion de la réédition de ce livre de Pierre Goldman, L'ordinaire mésaventure d'Archibald Rapoport. Donc, Philippe Gomplovitch, Pierre Goldman parle de la musique. Il jouait des tombas. Et pourtant, d'ordinaire, on considère que la musique est un facteur de paix, de sérénité, d'amour, etc., etc. Vous en savez quelque chose vous-même? Un petit peu, accessoirement. Bon, accessoirement. Bon. Et alors, dites-moi, alors. Non, mais il passait ses nuits à jouer de la tumba, à aller dans des boîtes antillaises. Et il a écrit ce livre en jouant de la tumba. Expliquez à nos auditeurs ce qu'est une tumba. Alors, une tumba, c'est un instrument de percussion, une forme oblongue qui se joue
avec les paumes de la main, avec à main nue. Et il y a toujours deux fûts. Il y a toujours deux fûts. Qui ressemble à un fût. Voilà, ouais, exactement. Ouais. Tout, bah, voyez, vous êtes, vous êtes branché. C'est vous, si peu de choses. Si peu de choses. Ouais, tu parles. Alors, jouer de la tumba, il faisait de la musique parce que la tumba, bon, c'est le rythme, mais il y avait la musique qui était accompagnée par, par cette tumba. Et donc, il était musicien au fond de lui. Oui, il était musicien. Il adorait. Comment vous dire ça? J'ai pas les auditeurs. Certains auditeurs se rappellent peut-être d'un club de Paris qui s'appelait la Chapelle des Lombards. Ah oui, la Chapelle des Lombards. Bon, la Chapelle des Lombards qui a lancé la salsa à Paris. Oui. C'est Goldman qui a lancé la salsa à Paris. Ah bon? C'est lui qui a présenté à Sukita au patron de la chapelle qui s'appelait Jean-Luc Fraisse. Il adorait. Enfin, cette musique cubaine, cette musique latino-américaine, lui parlait par tous ses pores. Lui parlait par le désespoir qu'elle portait, par l'espoir qu'elle portait, par le côté enivrant qu'elle avait. Il était dans sa prison, Chris Marker, le réalisateur, lui avait fait une cassette de musique latino-américaine qu'il se passait en boucle. Et ce livre-là... L'ordinaire mésaventure d'Archibald Rapoport, il a été écrit au son de la tumba, c'est-à-dire qu'il écrivait quelques phrases, il se mettait à jouer, il écrivait à la main, et comme dit Christiane, il y avait quelque chose, c'était le chic et la grâce. Enfin, il était vraiment, c'est un livre inspiré par la musique, inspiré conjointement par l'Amérique latine, par les Antilles et par le judaïsme. Oui. Donc vous me dites que en fait la musique mène au meurtre alors. Mais il n'est pas. Non, absolument pas. Non, mais là, je vous provoque. Philippe Gomplowicz, je vous provoque. Alors, on va revenir à Pierre Goldman, à sa libération de prison. Après 6 ans de détention en quartier de haute sécurité, il écrit : je n'oublierai jamais que je suis un ancien prisonnier et que la prison produit des blessures qui ne cessent jamais de saigner en silence. Et il entre alors comme journaliste à Libération. Et dans un article qu'il écrit, il dit « Ma liberté se résume aux choses les plus simples, descendre de chez soi en début d'après-midi, ouvrir sa boîte aux lettres, humer la froidure, couvert d'un pardessus, de laine chaude. » C'est la sérénité retrouvée, finalement, tout ça. C'est par moments, oui, par moments, c'est la sérénité retrouvée. Mais en même temps... Et pourtant, il écrit « La violence et le meurtre ». Oui, mais il n'écrit pas... Oui, mais c'est un roman, encore une fois. Je veux dire, vous voyez, c'est une... Oui, non, c'est un roman, mais bien sûr. Oui. Non, mais il écrit ça, et il écrit aussi des tas d'autres choses, parce que pour écrire cette préface, je me suis replongé, je suis allé à la Bibliothèque nationale, et je me suis replongé dans les articles qu'il écrivait pour l'Arche, pour certains, pour Libération, pour Les Temps modernes et pour un autre journal. Ces articles sont absolument remarquables de nuances. Notamment, ils se heurtent de plein fouet. Alors d'une part à des journalistes de Libération qui arborent des croix gammées parce qu'ils sont punks et que ça les fait marrer, ils leur cassent la figure. Ils se heurtent de plein fouet au pro-palestinisme qui était déjà ardent dans ces milieux. À la mode. Et il écrit des choses absolument remarquables là-dessus, vous voyez, sur le destin conjoint. Très simplement, que les deux peuples ont le droit de vivre et que la justice vaut qu'on n'oublie pas ni le peuple juif d'Israël ni le peuple palestinien. Et il l'écrit à propos il l'écrit à maintes reprises, vous voyez, et là il est à contre-courant de tout un monde qui en même temps le respecte beaucoup, mais il dit ce qu'il veut dire. Il est partagé entre des éléments, une très très grande preuve de justice par ailleurs. Oui. Je vous convainc pas là. Si, pourquoi pas. Non. Tout le monde a le droit de vivre. Tout le monde a le droit de vivre. Il faut quand même le dire. C'est tout simple. Hein. Et Archibald Rapoport, dans toutes ses actions violentes, n'était-il pas inspiré justement par son refus de l'antisémitisme? Oui, enfin, il était... Enfin, n'importe quoi, il y a qui a toujours existé, finalement, cet antisémitisme. Non, mais il y a des phrases absolument sublimes d'Archibald Rapoport sur le bonheur d'être juif dans la vie et...
voyez, enfin, le moment de sa naissance, le moment de la... Enfin, il est porteur d'une histoire. Mmh. Il est porteur d'une histoire. Et pour Goldman, cette histoire, c'est une très longue histoire. Et c'est l'histoire d'un peuple rejeté. Et lui se sent rejeté au milieu d'un peuple rejeté aussi. Et donc, il marque une sorte de pointe extrême de ce que peut être le juif refusé dans le monde. Oui. Et aucun désir d'intégration chez lui. Mais justement, ça c'est un petit peu... Bon, revenons à sa sortie de prison, si vous voulez, en 76. Pierre Goldman est invité de toutes parts et fait figure de héros. Mais il dédaigne ou oublie les invitations à dîner, néglige les rendez-vous pour aller jouer de la tumba dans les orchestres de salsa avec des musiciens latinos. Et pourtant, son livre fait scandale. Oui. Alors, il est invité partout. On le reconnaît alors comme écrivain, comme personnage, comme quand on le reconnaît finalement. Ben on le reconnaît, si vous voulez. Comme révolutionnaire, comme oui, quoi. Oui, ben comme tout, je dirais. Comme tout. En même temps, les gens qu'il invite, dont certains aujourd'hui crachent sur sa mémoire par ailleurs, sont fascinés. Par ce personnage, encore une fois. Ouais. Ils sont fascinés par ce personnage qui avait en lui, qui avait fait de la prison, qui avait porté des armes en Amérique latine, et qui était aussi quelqu'un qui, avec qui on pouvait parler. Par exemple, Jean-Paul Sartre était fou de lui parce qu'il le faisait rire aux éclats. Vous voyez, encore une fois, c'était le cas de Mendès France. Ils l'ont tous reconnu. Maintenant, la question pour lui, c'était quel était son monde ? Et son monde, vous avez cité des phrases où il parle des prisonniers, oui. Son monde, c'était le monde de ceux qu'il appelait ses compagnons de misère. Donc ce tout Paris qu'il recevait et qui se mettait à genoux devant lui, qui aurait fait n'importe quoi pour l'avoir à sa table, au bout d'un moment, ça a fini par le lasser, parce que tout simplement, il ne se reconnaissait pas. Et Régis Debray dit la même chose quand il est sorti de prison. Régis Debray disait « J'en avais assez d'être le porte-manteau de toutes les idées, de tous les fantasmes qu'on avait sur moi. Je n'étais pas un porte-manteau. Oui. J'étais moi-même. Il fallait que je me récupère. Oui. » Oui, oui. Alors, on a écrit qu'il n'a pas renversé la table, la table de la société, mais celle de sa propre vie, pour aller, écrivez-vous dans votre préface, jusqu'au bout de lui-même. Il voulait aller jusqu'au bout de lui-même. Il n'a pas renversé la table. Lui, il espérait apporter peut-être quelque chose de nouveau, une révolution. Non, il se voyait comme un militant. Mais un militant très indépendant des partis. Mais surtout, si vous voulez, j'en ai parlé à un de mes cousins, éminent professeur de droit et juif orthodoxe, et à qui j'ai offert le livre en lui disant, tu sais, ça risque d'être difficile pour toi parce que c'est quelqu'un de profondément illégal. C'est un peu les problèmes que vous pouvez avoir vous aussi, quoi. Des gens qui ont servi la loi et qui disent quelqu'un qui, d'une certaine manière, n'obéissait pas à la loi tout en le respectant. Et il m'a dit quelque chose de très beau. Cet homme qui est mon cousin, il m'a dit quelle tristesse, cet homme était en déséquilibre, il était porteur d'une œuvre extraordinaire qu'il n'a pas pu mener jusqu'au bout. Mais qui sait ce qu'il aurait pu donner. Et en tout cas, ce qu'il était profondément, c'était un écrivain. Tout à fait, c'est ce que je voulais vous dire. Vous écrivez dans votre préface, je vous lis, hein, écrit-il un polar ? Si c'est un polar, c'est un polar métaphysique, finement troussé, un formidable condensé d'humour noir. Il en ressort un style unique, un souffle profond. Archibald est tout à la fois un manifeste tragique, une cocasserie grinçante, un jeu de rôle poussé jusqu'à l'absurde, un récit d'une liberté absolue, une farce inspirée où l'ironie affleure dans ses portraits de notables. Il est vrai que son style est celui d'un écrivain accompli. C'est vrai. Qu'aurait-il écrit ? C'est ce que vous disiez, je prends la balle au bon là.
qu'aurait-il écrit ? Que serait-il devenu s'il n'avait pas été assassiné ? Un commando d'extrême droite en a voulu autrement et il a été assassiné. Bon, c'est n'importe comment, on ne peut pas... Qu'est-ce que je peux vous dire, voyez, qu'aurait-il devenu ? Mais en tout cas, il se Je parle au point de vue littéraire, oui. Point de vue de l'écriture, voilà. Mais au point de vue de l'écriture, il y a des phrases incandescentes dans ce... Dans cette mésaventure ordinaire d'Archibald Rapoport. C'est un livre qui est absolument unique. Je remercie l'éditeur, qui est un grand éditeur, qui s'est dit, il y a là, encore une fois, un livre que les gens doivent lire, parce que c'est un livre absolument unique, tout simplement. Unique, mais alors justement, lui-même, Pierre Goldman, écrit aussi, ce récit né d'un roman. Ce récit, ni roman, ni nouvelle, ni essai, ni rien d'autre qui possède appellation, est pure fiction. Mais je suis condamné à écrire. Donc nous voilà prévenus après la lecture émouvante de son livre. Il était condamné à écrire. Il considérait qu'il était condamné à écrire. Oui, c'est-à-dire qu'il avait... Comment vous dire, Jacques ? Il était paradoxal en tout. Encore une fois, il était paradoxal en tout. C'est-à-dire qu'il considérait que l'écriture, c'était pas la vie. Que c'était quelque chose qui était en deçà de la vie, et en même temps, il considérait que il y avait rien de plus beau que l'art. Vous voyez, enfin, oui. Il lui fallait échapper à ses démons, et condamné à écrire, effectivement, de la même manière qu'il avait été condamné à la réclusion perpétuelle après son premier procès, il se disait. Condamné à écrire. Mais il y avait, bon, c'est le cas de certains, je vous dis encore une fois, on peut citer un grand poète comme Jean Genet, c'est le cas de pas mal de... Oui. Et puis alors, il est assassiné. Il est assassiné sur une place du 13e arrondissement de Paris, le 20 septembre 79, par une mystérieuse association, appelée Honneur de la police. Pourquoi ? Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que lors de son enterrement, vous avez dit qu'il y avait 16 000 personnes qui ont assisté à son enterrement au Père Lachaise. Oui, il était suivi. C'était un événement. C'est un moment où Sartre, il y a une photo très célèbre de Jean-Paul Sartre, pris d'un malaise au pied de sa tombe. Il y a Simone Signoret, il y avait un monde fou, oui. Il y avait un monde absolument considérable. Et ce qui était... Alors, il y a deux choses. Hein. Tout d'abord, l'assassinat. Donc, c'est un commando... commando d'extrême droite. Mais on le sait, ça a été revendiqué. Oui, ça a été revendiqué. Un type même, c'est comment dire, a avoué être l'auteur du meurtre. De quelques années auparavant, un autre juif qui s'appelait Henri Curiel, qui dirigeait un espèce de réseau d'aide au tiers monde, a été assassiné par le même groupe. Donc, on faisait la chasse aux métèques. À ceux qui n'étaient pas à rien. À ceux qui n'étaient pas qui n'étaient pas à rien et qui avaient en plus de ça une grande gueule, si je puis dire, et qui l'ouvraient, qui se voulaient amis des peuples sur la terre. Et puis donc son enterrement, c'était l'enterrement d'une génération qui pleurait les ambitions, comment dire. Pas révolutionnaire. Les objets, oui, c'était l'enterrement des rêves aussi, à travers lui. Donc c'est en 79. Si vous voulez, il y a plein de choses, à la fois son assassinat, la naissance de son fils, la date à laquelle il est assassiné, la date à laquelle commence son roman, parce que son roman commence en septembre aussi, donc il est assassiné. C'est comme si le commando voulait qu'il soit assassiné en septembre, voulait lui faire payer précisément... précisément ce livre. Enfin, mais alors, justement, oui. je saisis votre dernier mot. L'ordinaire mésaventure d'Archibald Rapoport n'a-t-il pas été en même temps son chant du cygne ? Non. Beaucoup de lecteurs n'ont pas hésité à assimiler Archibald à Pierre Goldman. Et un grand hebdomadaire a écrit récemment, Pierre Goldman a-t-il été tué à cause de son dernier roman ? Voilà. Oui. Non, mais chant du cygne, non, parce que le chant du cygne... Mais non, mais involontaire. Pour moi, c'est un premier. Pour moi, c'est simplement un premier roman. L'article que vous citez de l'Obs, du Nouvel Obs, c'est un article
Enfin, vous je voulais pas le citer. Oui, voulais pas le citer. Oui, il fallait pas le citer. L'article est accrocheur. Enfin, le titre de l'article est accrocheur. Mais il y a effectivement quelque chose. Cet homme est un mystère. Oui, cet homme est un vrai mystère. Et vous, alors, cher Philippe Kamplowicz, comment, en dehors de la remarquable préface que vous avez revécu cette histoire, comment vous avez-vous revécu cette histoire? Qu'avez-vous actuellement sur le fait? D'abord, comment avez-vous revécu cette histoire? Moi, cette histoire, je l'ai revécue comme une plongée dans les années de ma jeunesse. Oui, vous voyez, parce que je me suis effectivement, on était proche de lui, à plus d'un titre, et je voulais comprendre cette époque en même temps. Oui. Et effectivement, en relisant la presse de l'époque, je me suis rendu compte à quel point cette époque était folle. C'est-à-dire folle, prise entre, comme le ressac dans la mer, entre d'une part le désir d'entrer dans la vie, d'entrer dans la société, et puis le désir de ne pas y être. Et j'avoue que cette préface m'a beaucoup fait réfléchir et m'a retourné. Ouais. En tout cas, cette préface, on la trouve dans ce livre que je montre à nos auditeurs, L'ordinaire mésaventure d'Archibald Rapoport de Pierre Goldman, une réédition. Je vous recommande vraiment de le lire, vous n'en sortirez pas indemne. Voilà, ça change un petit peu des romans à l'eau de rose qu'on lit aujourd'hui et qu'on voit partout sur les vitrines des libraires. Philippe Kamplowicz, merci. Merci à vous, Jacques. Et à bientôt. Et puis, je vous souhaite tout le succès. Pour la réédition et puis la diffusion de ce livre absolument bouleversant, je le dis. Au revoir. Merci, au revoir. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Côté Jardin sur RCJ. Jacques Benhamou, en votre compagnie, j'ai eu l'immense plaisir d'accueillir Philippe Kamplowicz à l'occasion de la réédition du livre Pierre Goldman, L'ordinaire mésaventure d'Archibald Rapoport, par audition Séguier. Au revoir.